Jésus m'a touché par sa puissance. Celui qui t'a encore fait que tu es encore vivant sur la terre. Mais donc, Benoît de Ména et Bébacoubé. Et de saluer le nom de celui qui t'a encore de la souffle de vie. Mais donc, Benoît de Ména et Bébacoubé. Et de saluer le nom de celui qui a permis que tu sois ici ce soir. Mais donc, Benoît de Ména et Bébacoubé. Et de saluer le nom de celui qui a permis que tu sois encore vivant sur la terre. Mais donc, Benoît de Ména et Bébacoubé. Et de saluer le nom de Jésus Christ. Bah, il compte en Jésus. Cette personne, c'est Jésus Christ. Mais donc, il compte en Jésus. Celui qui a permis que tu sois encore vivant, c'est Jésus Christ. Mais il va pour le grand quand on est Jésus. Tu es encore vivant ce soir. Thank you.
tu comprends? Maintenant, si toi, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, d'accord? Si tu ne reconnais pas encore Jésus là, quand il va mourir, il va aussi l'envoyer en prison. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que quand tu as fait les mauvaises choses, tu es d'accord avec moi. Tu ne peux pas avoir la paix. Voilà. Donc tu vois, c'est ce que je te disais. La personne est ici, il est mort. Il y a l'enfer ici. Tu vois, ici, là, il y a le paradis. Ici, là, il y a l'enfer. Jésus-Christ. Divine, Jésus-Christ. Oh, bien aimé, ma frère, ma soeur. Non, vivez là, non, vivez là, non, vivez là. Quand tu ne peux pas,
Quoi hein. Jésus veut te sauver. Jésus veut enlever. Toi qui es la fille de péché. Toi-même, quoi quoi. Toi qui es fatigué. Toi-même, quoi tu connais. Toi qui vois la femme de lui dans tes yeux. Toi-même, mon nom, toi qui vois les serpents. Toi-même, mon dent. Toi qui vois des moutons dans la salle. Toi-même, mon bras. Et il y a une autre chasse. Alors, il y a Jésus va te sauver. Moi, Jésus, maintenant, vous voulez te sauver. Moi, Jésus, maintenant, vous voulez le péché de ta vie. Oh, voilà, vous êtes dans tes mains. Mon frère, ma soeur, ma mère et mon père, est-ce que vous vous êtes demandé, depuis que vous êtes venu dans ce monde, sur cette terre, quelle mission le Dieu qui m'a créé m'a envoyé? Es-tu athée? Es-tu croyant? De quelle religion es-tu? De quelle bonne religion es-tu? Ou est-ce que tu crois que tu es venu sur cette terre par hasard? Si tu crois que tu es venu sur cette terre par hasard, laisse-moi te prouver le contraire. Prends ta main. Prends ta main, regarde.
Soulève tes pieds et regarde. Quel hasard! Quel hasard, mon frère! Si tu es scientifique, tu sauras. Quel hasard pourrait donner cette forme à tes mains? Quel hasard pourrait te donner des poumons? Quel hasard pourrait te donner un estomac? L'estomac dans lequel tu mets la pierre ce soir. Tu remplis ton ventre. Tu remplis ton ventre. Tu remplis ton ventre. Tu remplis ton ventre. Arrivé à la maison, tu vas chier. Tu vas pisser. Tu vas te mettre à l'aise. Mais est-ce que ton âme mange comme ça? Est-ce que ton âme mange? Ou est-ce que ton âme a déjà maigri? Il y a plusieurs. Aujourd'hui, vous les voyez, ils marchent. Ils sont vivants. Ils marchent. Ils ont le pied en forme, mais pourtant, ils sont déjà cadavres debout. Ils sont des cadavres ambulants. Leurs âmes sont déjà en train de brûler à l'intérieur d'eux. Et personne ne le voit. Personne ne le voit si ce n'est Dieu. Personne ne le voit si ce n'est Dieu. Mon frère, si tu es ici ce soir, ma soeur, si tu es ici ce soir, et ta vie ne ressent plus rien, n'a plus rien pour toi. Ta vie n'a plus de valeur devant toi. Ta vie n'a plus de valeur devant ta face. Sache que le Seigneur t'appelle. Sache que l'heure a sonné pour que tu reviennes à la source. Sache que l'heure a sonné pour que tu reviennes à Jésus. Sache que l'heure a sonné pour que tu redonnes ta vie au Créateur. Pour qu'il te rappelle la mission qu'il t'a confiée. Qu'il te rappelle la mission que tu as confiée. Qu'il te rappelle la mission qu'il t'a destinée. On s'est tellement déjà entendu parler de ce Jésus. Vous avez certainement déjà entendu parler de Jésus. Je suis chrétien. Je vais déjà à l'église. Je suis chrétien. Oh, laisse-moi. Je connais Jésus. Tu sais depuis combien d'années je suis chrétien? Toi qui es converti nouvellement, tu veux m'apprendre quoi? Moi, je ne connais peut-être pas tous les versets bibliques. Je ne maîtrise pas tous les chapitres de la Bible. Mais j'ai quelque chose à te donner ce soir. Là où tu es assis, là où tu es assis, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu es dans la volonté du Seigneur? Est-ce que tu es dans la volonté du Seigneur? Pose-toi la question, mon frère. C'est nécessaire pour savoir que le premier qu'il faut rechercher, c'est Jésus. C'est Jésus. Si tu ne le savais pas aujourd'hui, je te le dis. Ma soeur, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime. Jésus te veut dans le royaume des cieux. Jésus te veut dans le royaume des cieux. Est-ce que tu penses au monde après ce monde? Les mèches que tu as sur ta tête. Oh! Oh! Je vais cogner. Je vais te dire la vérité. Hey! Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Lui, il a envie de mettre ça sur sa tête. Parce qu'elle pense que comme ça, elle est belle. Elle pense que comme ça, elle est belle. Comment tu peux aimer quelqu'un comme ça? Les cheveux que tu as coupés, tu as jetés. Une autre femme va prendre. Et ça aura même de la valeur devant elle. Elle va prendre aujourd'hui son 15 000 francs pour acheter une perruque. Mon frère, après ce monde, tu auras un compte à rendre. Tu auras un compte à rendre à celui qui t'a créé. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur et reçois la parole de Dieu. Ouvre ton cœur et reçois le message que le Seigneur t'a destiné ce soir. Mon frère, ma soeur, tu as un cœur. Si Jésus vous appelle, mes bien-aimés, les péchés de ce monde ne pourront jamais nous sauver. Les péchés de ce monde ne pourront jamais nous sauver. Je vous dis la vérité. Les péchés de ce monde ne pourront jamais nous sauver. Croyez en Jésus. Il vous aime, bien-aimés. Les paroles, je le dis. Dieu a tant aimé le monde. Et qu'il y a des ressources uniques. Afin que quiconque croit en lui, ait la vie éternelle.
mais qui ne soit pas jugé. Ma soeur Jésus-Christ vous aime. Ma soeur Jésus vous aime. Croyez-vous en Jésus? Donnez votre vie à Jésus. Jésus a de mes meilleurs plans pour vous. Jésus veut vous sauver. Et il veut vous amener au ciel. Croyez-vous déjà en Jésus-Christ? Ma soeur Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Je vous dis la vérité, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Après votre fois, vous allez constater. Mais ça sera trop tard, bien-aimé. L'enfer est réel. Vous ne croyez pas à l'enfer. L'enfer est réel. De même que le paradis aussi est réel. C'est après votre mort. Vous allez constater cette réalité. Je vous dis la vérité. Jésus vous aime. Viens, viens, Jésus-Christ appelle. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime.
Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin qui mène au ciel. Ma sœur, tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, mais tu as dit que tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Jésus, il est le Saint, Saint, Saint. C'est le chrétien qui a véritablement donné ta vie à Jésus. On ne doit pas le trouver devant les bouteilles de pierre. Voilà. Voilà. C'est compliqué. C'est pendant qu'il faut donner. C'est le monde. Venez, venez, venez. C'est compliqué. On prie d'abord, on prie d'abord. On va prier, on va prier. Maintenant, je peux. Voilà. Vous allez prier avec moi aussi. C'est bon de prier avec moi. Vous allez dire Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. C'est le Jésus parle, c'est du Créateur, celui qui a créé le ciel. Et c'est sérieux ce que nous disons. Ça peut paraître un message banal. Prions, ok. Non, bref, je comprends déjà, je comprends. Oui, c'est vrai, je comprends, je vous comprends. Je vous comprends. Après, on peut échanger, non? Je peux prendre vos pantalons, mes péchés. Et je te demande, je vais te pardonner. Aujourd'hui, je m'engage à te servir, à te suivre, à être ton enfant. Enlève mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis-moi.
dès maintenant et à jamais. Je suis un enfant de Dieu. Tiré au ciel. Montre-moi le chemin de la vérité. Au nom de Jésus, la vie. Amen. Je vais aller au ciel. Tiré au ciel. Quand on reçoit quelque chose, l'assurance vient de gagner. Jésus. Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes ici en pleine évangélisation sur le terrain. Nous sommes en pleine bataille et le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Voilà deux sœurs, la sœur Nazareth et la sœur Grâce. Voilà que le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver. Le message qui a été vraiment prêché, c'est un message croyant qui a touché le vivre de leur cœur et elles ont décidé de s'engager dans la marche pour suivre le Seigneur Jésus. Dis-nous un peu, sœur Nazareth, comment ça s'est passé? Quelles sont tes impressions par rapport à ça? Je suis le ténèbre parce qu'il m'a tellement ravi de bien écouter votre parole et sa parole à part, j'ai écouté, je me suis reconnue, je me suis touchée, à son message. Gloire à Jésus. Sœur, grâce, dis-nous un peu, quelles sont tes impressions? Jésus, voilà, elle dit qu'elle a compris qu'elle doit se repentir et prendre de nouvelles résolutions pour vivre une nouvelle vie. Et c'est cet engagement-là qu'elles ont pris ce soir-là. Et nous sommes vraiment émus, nous sommes vraiment touchés. Elles se sont dépouillées sur le champ. Aussitôt, le message les a touchées, peuple de Dieu. Je vous dis, le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Si on n'était pas sorti pour venir parler ce soir, comment ces enfants de Dieu seraient sauvés? Comment ils seront touchés par le message de l'évangile? Peuple de Dieu, nous sommes vivement touchés et que vraiment
soyez, lancez-vous dans la prédication de l'évangile. Cela paye toujours. Le Seigneur nous attend sur le terrain et les âmes sont déjà préparées, nous attendent. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom.